Bonjour à toutes et à tous, ici Rekai et je vous retrouve ce putain de jeu qu'est Earth of Iron 4. Salut tout le monde, donc on prend notre petite partie où on se fait défoncer le trou de balle, mais quelque chose de sévère. Ah ouais, mais là c'est une On sodomie. n'est Hein. pas homo, mais en fait on s'essaye à la sodomie quoi avec Serikai. Mais en fait on prend quand même sacrément cher. On n'est pas homo, ça c'est pas dit. Enfin, moi je suis pas homo quoi, ça va. Après comme on disait à l'armée, hein. À l'armée il n'y a pas de PD, il y a que des hommes qui s'aiment. Ou l'autre truc qu'on disait beaucoup, c'est un tri n'a pas de sexe. Ah, j'ai réussi à faire une petite poche, la poche de la Merloc. Mon plan, exécution, on va regarder. Préparation du plan, ouais, on attend, il se prépare le plan, il se prépare. Ah bah moi aussi ça avance un petit peu. Berthoff, Messer, Genwoden, c'est qui celui-là? Ah on peut avoir des chefs qui se font baisser. Ah bah bravo ça, c'est quoi ce jeu? Ah, c'est nouveau, ça vient de sortir. Enfin, non, ça va pas sortir, ça c'était il y a pas le temps déjà. C'est déjà la sortie de DLC Kleshin Tok. Ah putain, j'avais réussi à faire une micro-percée de mes couilles. Mais de mes couilles, quoi. Bah, j'ai réussi à isoler les troupes américaines. Elles sont pochées, c'est-à-dire qu'elles ont plus de ravitaillement. Après, techniquement, tes troupes là-bas, arrête de les faire attaquer, peut-être. Tes Lesquels? troupes au sud, là, à Villa Hermosa et tout. Limite, tu restes là, ils peuvent t'attaquer que ce point-là. Donc arrête d'attaquer. Et tes deux troupes en bas à droite. C'est pas moi qui attaque, c'est le soviétique. Repose. Ah, c'est le soviétique Oui, ça? c'est le russe. Ah ouais, il est con lui. Ouais, il est con. La petite division, par contre, elle s'est massacrée parce que, bah. Oh cool, et les Français, ils ont débarqué à. Ils ont entendu me prendre à revers, les Français. Alors là, les gars, je vous explique, il y a une ligne de front, il n'y a personne qui est devant, donc on avance, on reste connard à attendre, quoi. Des fois, je comprends vraiment pas l'IA, honnêtement. Bon, par contre, j'occupe San Francisco, il y a deux divisions qui sont comme des planqués à San Francisco. Regarde-moi les connards à San Francisco là, planqués. Ah tiens, cool, je commence à perdre mes divisions là. Carrément, elles meurent. Hein. C'est même plus que. Ben, il n'y a plus d'équipement, il n'y a plus de manpower. Division, ben. J'en ai perdu 3 déjà. D'accord. Bon, j'annonce, je pense. Comme avec Serikai en off. À la fin de cet épisode-là, ben, la série va se terminer. C'est Mais pas bon. je vais recruter. Ah ben non, je peux pas recruter. Vu que j'ai pas fait Commit the War, je peux pas augmenter la conscription. Mais arrête de faire le tour, tu les poches, crétin. Putain, je jure là, des fois. Moi, je vais pas trop mal. Bon, sauf au sud où t'as les soviets qui galèrent comme des cons. Qu'est-ce que tu branles? Tu retournes là-haut, toi, crétin! Putain, mais je te jure! Ah cool, j'ai une division qui est isolée. Ouais, super. J'ai les divisions américaines qui sont face à Ottawa. Aïe, ça craint ça. J'ai les Français qui ont débarqué à Halifax. Les Anglais, j'ai même pas. Les mecs, ils ont aucun approvisionnement, j'ai même pas réussi à les. Enfin si, mais. Ouais, c'est mon baroud d'honneur. Ah oui, merde. Ma capitale est assiégée, le Canada s'est fait tout bouffer, j'arrive même pas, j'ai même pas réussi à avancer dans ma poche, je me fais contourner par les Français. Ça pue. Bon, la cérémonie n'aura pas été trop longue.
En fait, on passe plus de temps à trouver un scénario, à créer nos, se faire chier à créer les logos, choisir les dates d'upload et uploader. C'est C'est ça ça qui a joué un qu'elle peu. jouait à ce jeu-là. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces cons de 8 French? divisions il me reste. Putain. C'est la dèche. Il y a eu le bouton pour se rendre. Je sais pas. Ah, c'est que quand on se fait défoncer qu'on se rend. On va dire je me range, j'en ai marre de me faire défoncer. Je me suis fatomisé, quoi. Pas la peine. Il me reste 7 divisions. C'est quoi cette ligne de front dégueulasse là les gars là? Je vous demande de faire comme ceci. En fait, les seuls qui vont réussir à peu près à faire quelque chose de potable, au final, ce sera ceux qui sont là-haut. Qu'est-ce que vous branlez, bande de cons là? Ils ont surpris le plan, c'était deux nœuds. Attends. Ils m'ont surpris tous les plans, c'est quoi ça? Regarde ce bordel là! Putain, je te jure! En fait, le problème d'attaquer les États-Unis, c'est que c'est une putain de ligne de front de malade, quoi. En Ouais. fait, faut qu'il y ait une ligne de front. En fait, il y a une grande ligne de front, mais on n'a pas assez de troupes. Parce que une ligne de front large, c'est bien parce que ça vous permet de pas faire des points de congestion. Vous prenez par exemple la France avec l'Italie, passer les Alpes, c'est affreux. C'est une putain de ligne de front. Même si après vous passez, il y a le Pô, il y a des rivières, c'est affreux d'envers l'Italie. L'Allemagne, c'est un peu le même style avec des rivières, avec on est bloqué par la Belgique et tout. Mais je veux pas de ligne de front sur toute la frontière, crétin! Il me reste 7 divisions en tout. Je comprends pas ce jeu-là, je lui demande, je fais un clic droit de là à ici. Et je vois qu'il met ça sur toute la frontière, ce con! Alors là, les mecs, j'arrive pas à comprendre comment je peux être en. Le mec, il a plus de ressources depuis je sais pas combien de temps. Il a plus de ressources depuis je sais pas combien de temps, le mec, mais il arrive Je vais faire foutre le jeu là. Le mec, il arrive encore à être vivant. Il est encerclé, il a pas de ressources. Ça fait plus d'un an qu'il est au plein milieu du Canada, le mec, et il vit encore. Il n'y a pas de port, je sais pas comment il est rapprovisionné. Mais survie. Vous faites un débarquement en France, vous débarquez le lundi, le mardi. Y a plus de Ah, bouffe. j'ai capitulé. Putain, j'ai même Ah pas le temps de d'accord. défoncer les. Ah bah, il reste plus grand-chose à moi là. Et je suis où? Canada Popular State. J'ai pas de gouvernement en exil. Et mon pays est où? Ah oui, j'ai encore des provinces, c'est pour ça. Ah oui, j'ai capitulé. C'est-à-dire que oui, je me suis fait défoncer. Donc, ah oui, j'ai même pas défendu. Dommage parce que j'allais défoncer les armées anglaises qui étaient au Labrador. Ah, je peux recruter la population, ça y est. Le Et au premier sud, bien combat, j'ai sûr, le fait. soviétique, il a dit, je lâche. Ah, c'est bon, je vais faire péter le cul. Regarde ça, il n'y a plus rien au sud, faut tenir. Oh putain. Oh, tu t'es... Ah ouais, là, on marche comme des cow-boys. Là, on s'est bien fait défoncer, mais quelque chose de sévère. Ah, c'est. Tu aimes la sodomie? Non, mais tu vas aimer. Non, mais je fais pas, moi. Vas C'est fini. découvrir. Paf! Oh, c'est que les 20 premiers centimètres qui font mal, après tout, il paraît. Je sais pas, je vais tester. Moi non plus. Pour ça que j'ai précisé le il paraît. Oh, j'ai même plus de combat pour. J'ai 4 divisions, j'ai même plus de combat pour transporter là, putain, regarde. Bah, vu que j'ai rien d'autre à foutre, hein, je vais regarder ta guerre. Enfin, ta guerre. Ah, oh, t'arrives à avancer toi Mais encore. là au sud, là, Pas j'ai plus rien normal. pour défendre le sud. Là, tu fais, ouais, c'est gangbang style. Genre, on a Du pu gagner gangbang s'il n'y avait pas style tous ces de. connards de français et d'anglais là.
Ouais, on aurait pas dû déclarer. Mais après, Non mais ils auraient pas dû venir normalement, ils auraient pas dû venir. l'Américain, ça reste un gros morceau. Non mais c'était jouable. C'est juste que les autres auraient pas dû intervenir. Ils avaient... Je vois pas pourquoi est-ce qu'ils seraient intervenus pour ça. Hein. Pour une guerre sur un autre continent qui les regarde aucunement. C'est quand même débile. C'est juste que Jules a fait hop hop hop. T'es en train de faire un claim sur l'Américain et pof! Regarde ça. C'est vrai que honnêtement, dans le jeu, quand on compare du comment ça s'appelle? Quand on compare EU4 et HEI4, putain, EU4 c'est pour moi je dirais c'est un niveau au-dessus quoi. C'est clair. Bon, t'as Parce brûlé que je l'agonie, constate. tu prends Mexico, putain. Oh, ils sont en train de rouler dessus les Ah bah bélistes. oui, hein, Là faut ils plus rien leur ont. faire. Eh vas-y poteau, résiste. Bah, je peux plus rien faire, honnêtement. Ouvrir à Et puis en toi. plus, Oh les non. troupes arrêtent pas de se redéployer sur la ligne de front, ils se déploient, ils se redéploient, ils se rechangent. C'est vrai que sur ça aussi, l'IA, vraiment. L'IA est Comme on disait, dégueulasse. voilà, vous avez la troupe qui dit, tiens, je vais à droite, je vais à gauche. Bah non. Tu fixes ta ligne de front, tu fixes ton front, tu regardes ton. T'es devant ton ennemi, tu Et fixes ta ligne de t'avances! front, tu ne bouges pas, et t'avances, t'as une ouverture, paf, tu prends dans l'ouverture, surtout si. Des fois, on va prendre là, je vais montrer sur ta carte. Là, ça doit être à gauche de Dallas. Vous avez un bout de rivière, vous avez 3 points. Bah là, on prend le trou qui est. Et on prend ce trou-là, ça permet de dégager une troupe, deux troupes défensives. C'est On se met ça? là, pouf, ça bloque là. Et on fait ça. Et après, éventuellement, on redéploie. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, moi, se retrouver, si tu retournes au nord, au niveau de. Bah des fois elle te Au prend niveau des de. trucs. Non, pas Bangor. Au niveau de. J'approchais de New York et de Boston. Je pouvais faire un couloir pour séparer Boston, pour isoler Ouais. Boston du reste. Et un autre pour couper au niveau de Philadelphie. Bah non, mes troupes, elles étaient là en disant, mais je suis là, je suis en train de rendre. Mais non, du coup, engouffre-toi. Prends. Ah non, non, on attend. C'est vrai que ces trucs, des fois. L'IA sur ça, c'est pour ça que j'arrive pas à accrocher sur HOI. Alors Ouais. si on joue en faisant du micromanagement, mais pour moi théoriquement l'intérêt d'un jeu de grande stratégie, surtout un jeu comme ça, C'est pas c'est fait micro je vote. voilà, on est le général et on dit à nos troupes, vous attaquez là, vous. Donc je m'impose moi de dire, j'essaie de ne pas interagir dans le jeu, dans ce qui se passe, Surtout qu'en plus mais le la problème raid, c'est que. je peux reprendre Juarez avec une troupe, mais là elle fait tout le tour de la poche, et voilà. T'as capitulé. Et. Et bah on va voir le trait d'épée là. Alors, Canada was pupeted, on a été pupeted. Qui on a été pupeted? Donc on existe encore, je crois, si on est pupeted. Ouais. Pupeted. Donc, on est pupeted. Je On est suis une devenu démocratie, voilà. démocratique. Et tu es pupeted par qui? Je suis un peu pète en bas. Alors, voyons. Currently, Canada is a supervised state, Pupette commanded par des Wars. États-Unis. Putain. Tous les pupettes des États-Unis, ça craint. Ah, t'as vu en fait de notre truc, supervisé de ça, c'est-à-dire qu'on atteint l'autonomie et pouf, on est libre directement. Bon, on va Ouais. continuer, on va repartir et on va se venger. Ouais, super. 1450, 1496 points, putain. Ouais, bon, on a peur de rien. Donc, J'ai plus d'armée en plus, le. je veux faire un pays de Moi non gitan. plus. Ah bon, comme avant, quoi. On va le créer, j'ai créé de la viande. Oh, merde. Train 6. On les fait venir là-bas. Enfin, il m'a pas pris de territoire. Bah, ça va, on s'en tire bien. Non, c'est pas le bon bouton. Sibian Factory. Ouais, qu'est-ce que je peux faire moi d'ailleurs? J'ai plus d'armée en plus, putain, j'ai Moi pays de non gitan. plus, j'ai plus d'armée, plus rien. Decision available. On m'en fout, j'ai. Discredit government, c'est quoi ça? Communist on the rise. Moi je peux redevenir communiste. Moi aussi, hein, je suis heureux de devenir communiste, hein. J'ai plus Discredit conseillé. gouvernement. Ah non, je peux pas pour l'instant, ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas vu ça. C'est où déjà? Là. Après, moi je peux plus recruter de conseillers comment il. Ah putain, je peux Communiste? plus Ah, je peux plus de. recruter non plus hein, le Ah communiste ouais, ça. je peux plus recruter et on peut pas recruter un facho parce qu'on n'a pas fait le. Moi j'ai pas fait le machin Svastika Club. Moi non Et comme plus. Svastika Club c'est exclusive avec. C'est ça. Je sais pas, bon, on peut être avec les alliés et je sais pas ce qu'on peut Heureusement, faire. vu que j'ai mon parti, j'ai quand même
plus 0,2 par jour. Parce que j'ai toujours mes milices paramilitaires de gauche. Ah Ça ouais. remonte lentement. Ouais, moi aussi, plus 0,19. Ah oui, les communistes. Il me faut 1480 points d'autonomie. Comment est-ce que j'ai gagné ces points d'autonomie d'ailleurs? On en gagne 2 par jour, je crois. Ah ouais? Des C'est-à-dire autonomies, on 700 gagne jours, des putain, points ça fait 2 par déjà jour. 2 ans à se faire chier. Oh Ben, on va pouvoir développer notre économie, notre armée, notre cela. Hein. ouais, super. Non, mais on verra à l'entracte si on continue Ouais. ces lignes, mais bon, je pense qu'un truc comme ça. Et je vais même pas dire, va te faire foutre pour ta guerre, je la rejoins pas. C'est-à-dire que si l'Allemagne fout sa merde, on sera obligé de rejoindre l'Allemagne, putain. Enfin, la guerre contre l'Allemagne. Ouais. Je suis obligé de rejoindre avec notre chance. En plus, c'est quoi, ça pète les Et culs en bon. plus, ça. Et on vient vous péter la gueule. Non, non, mais nous, on ne sait pas qu'on existe. Bon, ça pue. Oh là là, là, je suis en train de regarder en même temps, vu que voilà quoi. Je regarde en même temps un article sur la mort d'Emiliano Sala et Cardiff. Les mecs, ils achètent un joueur, le joueur il meurt, il dit y a pas joué chez nous. Ah non, on paye pas parce que c'est vous. Et les mecs, ils trouvent toujours des excuses à la con pour pas payer quoi. Bah ouais. T'as envie de dire, je sais pas, désolé, c'est con à dire, hein, c'est dommage pour Sala, mais bon, c'est de la marchandise, le footballeur t'a été acheté, bah il est à toi et c'est tout, point barre. Ah, Ça? il a été acheté, mais il a pas été enregistré, donc ça compte pas. Putain de fieur. C'est ça le truc. Enflure. Ensuite, c'est oui, non, mais en fait, il y a des trucs, mais l'avion dans la qualité, c'est pas nous qui l'avons décidé. Et ainsi de suite, quoi. Bon. Donc voilà, bon, bah, je pense qu'on va pas se mentir, hein, c'est le cas, hein. Reste 2 Ouais. minutes, je pense qu'on va pas repartir de zéro. Non, ça me fait Donc un peu. voilà. Surtout qu'en plus, il faut 2 ans pour pouvoir être indépendant, ça va me faire chier, je peux pas le mentir. Donc voilà, sachant que le jeu au début, pendant 2 ans, on se prépare à la guerre, on a déjà des troupes. Et là, on s'est fait. Parce que dans 2 ans, le problème aussi qu'il y a, c'est qu'il y aura la guerre qui aura commencé. Donc les Américains seront dans la guerre et les Américains, la machine de guerre sera enclenchée. C'est ça. Voire même, est-ce que là, la machine de guerre n'est pas déjà enclenchée? C'est en cours. C'est pas encore bien fait, et bon. C'est pour ça que je voulais attaquer assez vite, mais bon. Ouais. Pourquoi est-ce que les Anglais on se dit on va couvrir les États-Unis. Les Anglais, vous êtes contre la Pour. guerre, surtout quand vous avez une mentalité de fiotte de lâche, vous êtes chié dessus pour Munich. Vous avez une mentalité de on se branle du contenu des États-Unis. Mais grave quoi. Comme les États-Unis se branlaient de l'Europe quoi, C'est quoi. ça. Oh tiens, t'as vu la gueule de la Tchécoslovaquie? Oui, je sais, il a perdu les Sudètes, hein. Ah, ouais, mais elle s'est pas fait bouffer un peu au nord là en Pologne? Bah non, parce que t'as les Sudètes de l'Ouest et de l'Est qu'elle a perdu. Elle a perdu la Zaolzie au profit de la Pologne, c'est vrai. Ouais, parce que je me disais bien, elle a pas la Ouais. gueule habituelle là. Il y a la Zaolzie, ouais, une petite province. Enfin, deux morceaux, tu parles. C'est une province à deux cases, hein. Ouais, donc ouais. L'Albanie existe toujours. Nous, on s'est fait défoncer, mais l'Albanie. C'est ça? C'est la honte? Ah bah tiens, la Tchécoslovaquie. Advanced Machine Tool, 110 de Ça va la mobilité. France et la Grande-Bretagne? Vous voulez pas agir contre l'Allemagne là, non? Ah non, non, mais c'est l'Allemand, il va nous défoncer le cul. Ah tiens, voilà. Ah bah tiens, ça y est. On parlait de ça? Putain. Ah bah quand c'est nous, ça va, l'IA va nous casser les pieds, hein. Mais quand c'est l'IA, hein. Ah, on perd les mots. C'est vrai que là on s'est quand même bien fait. Ça fait quoi Longue Branche Arsenal? Ah ouais, super. Ouais, c'est vrai que. Ah ouais, on s'est. Ouais, voilà. Ah bah, oh oui, tiens. Ah bah, tiens, la Tchécoslovaquie, il en reste encore moins. Il reste plus que la Slovaquie. Il reste pourtant l'Allemagne. Ouais. Ouais. Ouais, Bon bah super l'Italie. nouveau DLC, hein. Merci à Paradox, hein. On s'est bien marré. J'ai fait se démonter. Ce fut bref et intense, comme une bonne partie de jambes en l'air. Ça aurait pas dû se passer comme ça. Ah bon, c'est fait. On marche sur Washington. Bah, je viens comme. Washington. Ah bah non, on marche. Bah, Washington nous a marché dessus, plutôt, C'est je veux ça. dire. Mais techniquement, notre plan était bon. Ouais. Mais il y a un truc où ça a chié, on sait pas où. Je dirais pour moi, c'est pas notre faute, hein. C'est pas Starika et moi qui sommes C'est cons. l'IA. C'est l'IA qui.
c'est catastrophique. Qui est buggé, c'est tout. Elle est buggée du fion. Bah, après, je vais pas être méchant. Pour moi, le jeu, il est mal équilibré parce qu'en fait, il y a l'overpuissance du paratrooper. C'est quand on voit des mecs comme Marco Antonio qui font des World Conquest avec le Luxembourg. Le Luxembourg, ça. Avec le Luxembourg, ils ont fait des World Conquest avec Tanutuva aussi, je crois. Bon, Tanutuva, c'est pas un OPM par rapport au Luxembourg. Enfin, c'est pas un OPM, mais le truc, ça a que dalle de ressources, quoi. Les mecs, ils arrivent, ils font des World Conquest avec ça. Pourquoi? Parce que ils prennent Luxembourg, ils recherchent les parachutistes et les avions de transport. Ils se mettent là, ils parachutent tout sur les villes belges. Ensuite, tac, 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 ils font que ça. Ou une vidéo d'un mec, c'est bluffant. Il fait avec l'Allemagne, je crois, je vais dire une connerie, en janvier ou en février 38. Bon, la Seconde Guerre mondiale est terminée. C'est-à-dire qu'il a chopé. Il est là, il met toutes ses troupes dans la rue. Et il parachute partout, boum, capitulation de la France, il se met à Calais, le même style, en fait, il catapulte dans toute la partie en bas à gauche, en bas à droite de l'Angleterre, pas que les points de victoire, mais toute la zone, il est parti, il roule, il prend l'aéroport, tac, 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 il refait une séance de parachutage, et après, automatiquement, la Pologne, bah, capitule. C'est emprisonnant, c'est, voilà, ce qui peut pas arriver à EU4. C'est ça. C'est vrai que l'équilibre du jeu... C'est vrai que Paradox, honnêtement, HOI4, ouais, et bien, et marrant et fun, mais comme on disait avec Sirikai, on a vite fait le tour. C'est ça. Stellaris, moi, ça me saoule parce que je trouve que c'est bien à jouer en solo, mais je me dis jouer en multi ou jouer avec du monde, ça, c'est casse-couille. Et moi, la dernière fois que j'ai joué, pareil, ça se résumait à fais une flotte de 100 000, je t'attaque ta flotte de 100 000, pouf, qui a gagné? Celui qui a gagné. Et celui qui gagne la guerre. Donc, Crusader Kings, c'est un peu le même style, c'est je rassemble mon armée vite, qui c'est qui a la plus grosse armée, on se tape dessus, j'ai gagné, fin de la guerre. Et le seul géré qui est à peu près équilibré, je trouve, c'est EU4. EU4, c'est, pour moi, c'est le bijou, c'est le top du jeu, c'est la référence, c'est EU4. Donc voilà. Sur ce, les gens, on espère que ça vous a plu. Ce fut bref mais intense. On s'est bien fait défoncer le trou de balle. Et voilà. On vous dit donc bye bye. Et ben, à demain pour une nouvelle série, de nouvelles aventures où on s'est suicidé de déprime. Au choix. Ouais. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.